Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. J'espère que vous êtes tous en forme et que votre week-end s'est bien déroulé, que vous êtes plein d'énergie pour attaquer une nouvelle semaine et une semaine qui va être très importante puisque nous allons fêter le 2 février très précisément donc dimanche prochain, nous fêterons le sabbat de Imbolc. C'est une fête qui est assez importante puisque on va fêter symboliquement la fin de l'hiver même si euh, climatiquement on n'est pas encore à la fin de l'hiver mais c'est symboliquement on va fêter la renaissance de la déesse euh, la symbolique de la fin de l'hiver et c'est surtout un sabbat qui va être ponctué euh, et la, qui est la représentation également de euh, la lumière de l'espoir et puis de la renaissance de la vie hein. on revient à nouveau dans le printemps dans l'été donc on va fêter cette renaissance là donc il se pourrait très probablement que notre tirage soit, et eh bien, lui-même composé d'énergie euh, lumineuse, euh, d'énergie de renaissance, mais pour renaître, il y aura peut-être un aspect euh, de deuil ou des choses qu'il va falloir peut-être perdre, ou peut-être dont il va falloir se débarrasser, je, je ne sais pas. Comme d'habitude, hein, je n'ai pas triché, vous savez comment je fonctionne, pour faire gagner du temps, pour pas que ce soit trop long pour vous, j'ai déjà euh, préparé les tableaux, je n'ai pas pris connaissance des cartes, hein, j'ai juste sélectionné les cartes, je les ai placées, face cachée, donc je découvre le tirage en même temps que vous allez donc sans plus tarder et sans transition et eh bien passons euh, au tirage Allez donc, on est parti pour ce tirage qui va être composé comme d'habitude euh, de mes créations personnelles. Nous allons utiliser l'oracle fantabuleux ici pour les énergies maîtresses de la semaine. Une petite carte des écrits fantabuleux pour définir un petit peu, comment on pourrait dire, euh, les mots-clés qui vont un petit peu régir notre semaine. Le carré fantabuleux pour notre tableau. On se fera euh, les énergies de couple et les énergies célibataires, donc à gauche couple à droite célibataire. Nos trois petites prédictions avec le rond de cristal. On s'occupera de l'aspect spirituel de la semaine avec une petite carte de l'oracle des ombres. Et puis, comme d'habitude, nos euh, réponses aux questions fermées avec euh, les trois pièces de fortune. Et euh, le petit oracle des merveilles. Allez, on va déjà commencer par se mettre dans l'ambiance. On va se mettre un petit bâton dans son. De mon ensemble fétiche, le chante pas. Je le mets sur le côté, comme d'habitude, si jamais vous voyez des volutes qui passent devant la caméra, ce n'est pas des fantômes, hein. ça sera les, les volutes de fumée. Et puis, euh, on va se faire un petit coup de bol tibétain, histoire de se mettre véritablement dans l'ambiance. Donc, on prend une grande respiration profonde, on euh, se détend, on essaye de ne penser à rien d'autre, on fait le vide, on ne pense plus à tout ce qui appartient à la semaine dernière, puisque c'est du passé. On se concentre sur les énergies présentes, mais aussi sur les énergies à venir. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec le fantabuleux pour définir nos énergies maîtresses. Je vous promets, je vous promets que je n'ai pas triché, je n'ai vraiment pas regardé les cartes au moment de les mélanger, je les ai véritablement posées sur la face cachée sans en prendre connaissance. Je viens de vous parler qu'on était sur des énergies de renaissance et que probablement il faudrait peut-être passer par des énergies euh, eh bien de, de deuil, euh, d'abandonner certaines choses, de mettre fin à certaines choses et regarder ce qu'il vient de sortir. Nous avons la croix et la mort. Donc là, ça pourrait nous parler véritablement de fin, des fins de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin euh, peut-être de toute chose, hein. peut-être que vous allez vivre une espèce de reboot dans votre vie qui va consister eh bien, à reprendre tout, absolument tous les domaines et tous les aspects de votre vie afin de euh, créer des choses complètement nouvelles. Ça pourrait aussi, alors ça c'est moins drôle, mais ça pourrait nous parler euh, d'une mort aussi, hein, parce que là pour le coup, la croix avec la mort, ça peut nous parler. Peut-être que vous allez apprendre le décès de quelqu'un cette semaine. Euh, oui, je, je suis désolé de vous annoncer ça, hein, mais euh, voilà, la, la mort fait aussi partie de la vie, même si euh, c'est une étape qui n'est pas très drôle. Voilà, il faut aussi en parler lorsqu'elle se présente. Il ne doit pas y avoir de tabou là-dessus. Hein. Même si c'est quelque chose qui nous effraie, euh, il faut savoir dire les choses quand il faut les dire. Donc peut-être que cette semaine, vous allez apprendre euh, le décès de quelqu'un. C'est probable. Peut-être que euh, la mort peut frapper dans votre vie, mais d'une façon plus symbolique, peut-être qu'en vous supprimant certaines choses dont vous avez du mal à vous débarrasser. Parfois, hein, quand euh, on s'accroche trop à certaines choses et qu'on n'a pas le courage de, de s'en défaire euh, nous-mêmes, et eh bien la vie va nous imposer de nous l'enlever, euh, voilà, sans nous demander notre avis, hein, un petit peu, euh, voilà, comme par exemple, je je sais pas... Euh, une maman qui enlèverait la console de jeux vidéo à son fils parce qu'il jouerait beaucoup trop et qu'il se concentre pas sur autre chose, ses devoirs, etc. Donc, elle lui dit euh, hein, Je vais te l'enlever, je vais te l'enlever, choisis par toi-même, et puis à force de pas vouloir, de pas le faire, et eh ben elle finit par lui l'enlever d'office. Bon, ça pourrait être le même principe là. Ça peut aussi nous parler ici de faire le deuil de quelque chose. Peut-être que vous allez euh, comprendre certains, certaines choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus et qu'il est temps de marquer définitivement la fin de ces choses qui ne fonctionnent plus. Euh, ça peut être des amitiés qui peuvent prendre fin cette semaine. Ça. Ça pourrait nous parler aussi d'autres relations en tout genre qui pourraient prendre fin. Ça pourrait nous parler d'un contrat de travail qui pourrait prendre fin. D'une vie passée qui prendrait fin. Imaginons moi, je ne sais pas que vous soyez enfin débarrassé des liens euh, du passé, euh, comme par exemple euh, votre divorce qui a enfin été prononcé, la vente de la maison qui a enfin été signée, euh, un nouveau bail qui, euh, qui, enfin, voyez quelque chose qui pourrait marquer vraiment la fin d'une étape, la fin de quelque chose pour marquer un début également, hein, parce que la mort c'est pas que la fin. Certes, euh, quand on perd, on perd, c'est définitif. On... Donc c'est à dire que ce que vous perdrez cette semaine, c'est définitif. Vous ne reviendrez pas dessus et vous n'aurez pas d'occasion de pouvoir euh, le récupérer à un moment donné dans votre vie non c'est fini c'est fini hein. comme le principe de la mort quand vous êtes dans le cercueil euh, 15 jours après vous n'allez pas vous lever du cercueil oh tiens je suis mort maintenant nouvelle vie non c'est mort c'est mort c'est fini donc ça peut nous parler ici vraiment de la fin définitive et euh, irrévocable de quelque chose mais pour laisser place et eh bien euh, à l'aspect de la nouvelle vie hein, qui, euh, qui va renaître pour le coup on est vraiment sur les énergies d'Imbolc, hein, complètement allez donc on va voir maintenant avec notre mot-clé nous avons le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie et de responsabilité et eh bien oui ça semble paradoxal mais euh, si vous voulez tendre à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, à une nouvelle vie, eh bien il faut obligatoirement passer par cet aspect de mort, de perte, euh, entre guillemets, de destruction, de ménage, de nettoyage. Vous êtes obligé de vous séparer de certaines choses si vous voulez pouvoir prétendre à de nouvelles choses. Je sais pas, moi c'est comme le principe euh, d'une couleur de cheveux. Euh, imaginons que vous ayez euh, les cheveux rouges et que vous ayez envie d'avoir les cheveux bleus. Eh bien, vous êtes obligé de passer d'abord par une décoloration complète de vos cheveux avant de faire une nouvelle couleur. Hein. C'est sur ce même principe-là. Et donc, cette harmonie-là peut se faire uniquement si vous acceptez de perdre ou d'enlever certaines choses de votre vie pour accéder à de nouvelles choses sans quoi vous ne pourrez pas prétendre eh bien, à de nouveaux projets, à une nouvelle relation, à un nouveau contrat, à une nouvelles responsabilités, enfin à de nouvelles choses, hein, très clairement. Il faut d'abord passer par cette étape de deuil, de perte, de mort euh, et de choses qui sont définitives si vous voulez enclencher un processus de nouveau. Donc là, très clairement, l'harmonie la responsabilité, hein, ça nous parle, ça nous parle vraiment beaucoup, c'est tout à fait cohérent par rapport aux autres énergies. Allez, passons au tableau. Nous avons la chaîne cassée, encore aussi, là c'est logique. Nous avons l'amitié, nous avons les virus. Oh ben, J'ai envie de dire, les virus, c'est d'actualité avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Hein. Nous avons la bombe, nous avons le trèfle, l'œil. Le ruban qui est plein, qui n'est pas cassé, et en tout et les genres. Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant que je vous parlais de relations en tout genre et de choses en tout genre dont il faudrait se débarrasser Eh bien, euh, c'est vraiment euh, ce qui ressort, c'est-à-dire que cette semaine va être marquée par des liens que vous allez briser. Et puis alors regardez un petit peu, ils sont vraiment euh, opposés l'un l'autre, c'est-à-dire qu'on a ici une chaîne qui est cassée. Donc rappelez-vous ce que je vous avais dit quand je vous avais présenté le carré fantabuleux. Je vous avais dit que quand cette carte sortait, elle nous parlait vraiment de choses qui se cassaient, qui se brisaient et sur lesquelles on ne pourrait pas revenir en arrière parce que concrètement, euh, on ne peut pas réparer une chaîne. Hein. Quand, elle est, quand une chaîne est brisée, elle est brisée, on ne peut pas la réparer. Par contre, on peut créer un nouveau maillon qui permettra de relier la chaîne pour créer une chaîne nouvelle, un lien nouveau. Hein. Mais une fois que c'est cassé, c'est cassé, vous ne pouvez rien faire. Et. En opposition, nous avons le ruban qui est plein, qui nous parle ici de liens, et nous avons la carte des genres qui nous parle de liens en tout genre. Donc cette semaine, vous allez soit prendre la décision par rapport aux responsabilités, ça pourrait, soit vous allez prendre la décision de briser certains liens, de briser certaines euh, relations, de briser certaines situations, certains schémas, certaines boucles qui se répètent, hein, certaines voilà des, des choses comme ça dont vous n'avez plus envie, dont euh, vous avez besoin de vous débarrasser pour et euh, eh bien créer quelque chose de nouveau. Nous avons la présence de l'amitié, il est fort probable que cette semaine euh, les amis soient mis à l'honneur hein, peut-être que vous allez euh, peut-être que vous avez un projet avec des amis peut-être que euh, alors des, un projet ça peut être tout et n'importe quoi hein, ça pourrait être moi je sais pas vous organisez l'anniversaire d'une amie de quelqu'un, euh, vous commencez à préparer son mariage, enfin ça peut être plein de choses, hein. mais il euh, y a la présence des amis sur cette semaine. Attention quand même, parce que les amis euh, qui est pris entre la chaîne cassée et les virus, donc ça pourrait nous parler peut-être d'une amitié qui est peut-être un petit peu fragile en ce moment, ou qui euh, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé, et du coup on redémarre sur une relation, voilà, comme si c'était à nouveau la première fois, hein, comme si on se rencontrait pour la première fois. Il faut recréer un climat de confiance, recréer quelque chose, rebâtir quelque chose, hein, euh, voilà, ça, 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 peut, ça peut nous parler de ça. Ou ça peut aussi nous parler, peut-être que euh, votre ami ou vos amis vont vous faire part euh, dans leur vie d'un climat qui est assez difficile et ils vont avoir besoin de votre soutien justement. Hein, euh, ou peut-être que c'est vous qui allez manifester votre soutien de façon spontanée et, euh, et naturelle auprès d'eux. Ici, il y a une menace, une menace qui pèse et qui plane. Alors attention, euh, cette menace... Euh elle n'est pas forcément liée à vous, mais elle serait plutôt liée par rapport à des amis. Donc méfiez-vous auprès de vos amis. Il se pourrait que vos amis, s'ils vous sollicitent cette semaine, c'est que euh, il y a un besoin, c'est qu'il y ait euh, peut-être une menace qui pèse et qui plane sur leur tête. Et par conséquent, ils vont avoir besoin de vous et vous, vous allez devoir à répondre, vous allez devoir répondre, pardon, à cet appel. à répondre, ça voulait rien dire. Vous allez devoir répondre à cet appel. Euh, ce qui est bien quand même, on... toute la semaine est ponctuée ici par le trèfle qui nous parle de chance, de coup de chance. Donc il se pourrait que cette semaine encore, hein, la semaine dernière aussi, on avait la carte euh, du trèfle. Donc il se pourrait que cette semaine encore soit ponctuée par cet aspect de chance, par une chance qui se présente, alors qui peut euh, se présenter euh, sous de multiples visages. Hein. Ça peut être une opportunité qui se présente à vous, ça peut être euh, un coup de poker, un retournement de situation. Euh... Quelque chose qui semblait un petit peu perdu, voire désespéré, et puis qui eh ben, euh, fait volte-face euh, grâce ou à cause de quelque chose. Enfin voilà, hein. ici c'est quand même très important d'avoir très à quatre feuilles parce que malgré euh, une semaine qui va être assez lourde, assez chargée en termes d'émotions parce que prendre des décisions pour rompre des liens, pour casser des schémas, pour créer des choses nouvelles, ça demande toujours beaucoup d'énergie et ça peut être euh, éprouvant, hein. émotionnellement parlant, ça peut être très éprouvant quand on, quand on prend des décisions qui sont lourdes. Donc, le fait d'avoir la chance à, à nos côtés, eh bien, c'est, euh, j'ai envie de dire, euh, ça va être une alliée très importante parce que euh, ça veut dire que tout ce que vous allez accomplir durant cette semaine ou toutes les décisions que vous allez prendre, eh bien, vous aurez la chance qui va vous aider, qui va vous appuyer pour vous dire, euh, bien, peut-être qu'il euh, faut faire ses choix cette semaine. Euh, peut-être que euh, ça va être des signes pour vous dire que vous ferez les bons choix ou que vous êtes en train de faire les bons choix ou... Euh, vous accompagner sur le après les choix pour vous dire voilà aujourd'hui nouvelle vie nouveau destin nouveau parcours nouvelle route mais euh, tout sera ponctué par la chance et par de, de nouvelles opportunités donc moi j'y vois quand même des choses positives même si je conçois que euh, voilà les énergies sont un petit peu lourdes sont un petit peu euh, voilà vont être très riches émotionnellement parlant euh, on reste quand même sur des énergies qui sont relativement positives l'œil c'est très intéressant parce que l'œil ici ça peut être l'œil de la vérité le fait d'avoir un, un, un regard éclairé peut-être que c'est vous cette semaine qui euh, eh bien allez ouvrir les yeux tout simplement sur la vie que vous avez actuellement sur les choses euh, que vous vivez et des choses que vous ne voulez plus Hein, par exemple, moi je ne sais pas qu ce que je pourrais vous dire, euh, votre travail, et eh bien vous allez prendre conscience que votre travail finalement ne vous apporte rien, que ça représente plus de contraintes qu'autre chose, et que euh, il serait peut-être temps d'en eh changer, que euh, peut-être une opportunité se présentera à vous et vous permettra d'ouvrir les yeux sur le fait que euh, eh bien, ça fait 10 ans que vous faites ce travail qui ne vous apporte pas grand chose, alors que euh, il peut y avoir mieux. Hein voilà, ça peut être ce regard, ce regard de vérité, ce regard éclairé, ça peut être un regard objectif aussi, hein. peut-être que vous allez enfin ouvrir les yeux sur une situation qui soit vous vous voiliez là, vous vous voiliez oh, assez dur à hein, les, les, les suites de vous, peut-être que vous vous voiliez la face sur une relation ou une situation que vous ne vouliez pas affronter. Et par conséquent, vous allez enfin avoir un regard éclairé là-dessus. Peut-être que vous allez enfin y voir clair tout simplement sur le jeu de quelqu'un, sur euh, une situation qui était assez trouble, assez... Euh, voilà, hein, qui n'était pas, pas très net. Mais vraiment, ici, ça nous parle d'avoir un regard éclairé, d'avoir une vision éclairée, de faire la lumière aussi sur les choses et d'avoir la vérité. Donc, si vous allez prendre vos responsabilités afin de casser certains liens, de rompre certaines choses, et eh bien c'est que probablement euh, voilà vous allez avoir un déclic ou vous allez vivre un événement ou plusieurs événements, pourquoi pas, qui vous feront avoir ce déclic. Allez maintenant on passe à nos petites prédictions. Pour le coup, on a des énergies quand même qui sont relativement fluides, hein, malgré qu'elles soient euh, riches et intenses, c'est des énergies qui sont très fluides. Ici, on nous parle d'une promotion, une perte. Vous voyez les amis, la perte, elle est à nouveau présente. Hein c'est quand même dingue. On a la perte dans le fantabuleux, on a la perte dans le carré et on a la perte aussi ici. Sur trois jeux différents, on a la perte qui sort à chaque fois. Donc très clairement, en plus, c'est paradoxal, mais je viens de vous l'expliquer, on a une perte, une promotion. C'est logique. Si vous voulez être promu à une nouvelle vie, à un nouveau statut, à quelque chose de nouveau, si vous voulez passer une étape supérieure dans votre vie, il vous faut perdre d'abord. Hein, <laughs> Je vais reprendre un peu l'exemple de cette semaine qu'on m'a accusé de sataniste. Hein, mais euh, encore une fois, on ne peut pas euh, rejeter l'ombre ou la lumière. On ne peut pas vivre que dans l'ombre. On ne peut pas vivre que dans la lumière. La vie est faite d'une dualité. C'est ça d'ailleurs qui représente l'équilibre et l'harmonie. Hein et, et le fait de pencher d'un côté ou d'un autre fait rompre votre équilibre dans la vie. Donc, si vous voulez avoir des choses nouvelles, il faut obligatoirement perdre. Voilà, ça, c'est euh, la base même du karma, c'est la base même de la spiritualité. Et nous avons un événement imprévu va se produire. Eh bien, oui, 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 ben oui c'est logique, les amis. On a la présence de la bombe, de la bombe, des virus. Euh, tout ça sont des menaces euh, qui planent au-dessus de notre tête, mais des menaces qu'on ne voit pas, des menaces euh, dont on ne sait strictement rien. C'est-à-dire que vous ne savez pas quand vous allez euh, vous choper la grippe. Hein ça peut arriver à tout moment. Vous ne savez pas si par exemple demain on a euh, un pays qui nous déclare la guerre et qui nous balance une bombe. On ne sait pas quand, à quel moment ça va arriver. Hein ben non, le le pays ennemi va pas nous envoyer un petit mail attention euh, nous allons vous envoyer une bombe nucléaire sur la tronche le mardi 26 à telle heure bah non 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 le principe c'est de pas le dire pour faire un maximum de dégâts eh bien, l'événement imprévu qui va se produire, c'est ça justement, c'est cet aspect de virus et de menace, c'est-à-dire quelque chose qui va ébranler vos fondations, qui va ébranler votre vie. Quelque... Peut-être que ça peut être lié, hein, parce que regardez, on a l'œil ici qui est en diagonale avec la bombe, donc peut-être que ça peut être lié, hein, euh, cet événement imprévisible, c'est peut-être cet événement-là qui va vous faire réaliser, qui va vous donner un déclic sur le fait que euh, vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi. Et ça peut être aussi la perte, hein, la mort, la croix, etc. Euh, le principe d'une bombe, une bombe, qu'est-ce qu'elle fait Elle détruit, elle anéantit. Hein. Quand une bombe éclate sur une ville, ça va être des milliers, voire des millions de morts, elle va tout détruire. Mais qu'est-ce que euh, cette bombe va permettre dans le futur Eh bien, de rebâtir, de reconstruire, de créer quelque chose de nouveau. Hein. Et puis, euh, nous apprendre aussi un peu plus d'humilité, de respect, hein. vivre dans... Euh, un petit peu avec ce principe d'être diem, c'est-à-dire d'apprécier la vie au jour le jour telle qu'elle se présente. Hein, et pas toujours plus, 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 demain, 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 euh, vivement, on est lundi, vivement euh, le week-end. Non, non, il faut savoir savourer le temps présent. Donc peut-être que cet événement-là, il va vraiment, véritablement ébranler votre vie et vous faire comprendre plein de choses. Et vous ramener aussi à certaines, certaines valeurs hein, que peut-être vous avez oubliées ou que vous avez délaissées. Hein. Euh, voilà, 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 voilà. Maintenant, allez, on va passer aux euh, énergies d'amour. Donc, les couples ici, les célibataires ici. Je commence souvent par les célibataires. Eh bien, vous savez quoi, pour cette semaine, on va d'abord commencer par les couples. Allez, nous avons tout d'abord la femme. La femme qui va être mise à l'honneur pour les couples. Alors la femme, ça peut être la représentation du consultant ou de la consultante. On s'en fout du sexe, ça peut être le consultant ou la consultante. Mais ça peut aussi représenter euh, une, une femme, véritablement une femme. Alors pourquoi la présence d'une femme dans votre couple Est-ce que ça peut nous parler d'une possible relation triangulaire hein peut-être 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 est-ce que ça peut nous parler de la présence d'une femme qui est trop trop immiscée dans votre couple alors ça peut être par exemple euh, une belle-mère, une sœur, une cousine, une amie, une voisine, une grand-mère, euh, votre ex enfin euh, vous voyez est-ce que c'est la présence d'une femme qui est beaucoup trop présente dans votre couple et qui peut-être interagit ou fait voilà qui peut représenter une menace pour votre couple peut-être et on a comme ordre du veilleur, oublie. Pourquoi gardes-tu en mémoire ce qui est fini Pfff. Oh les amis, c'est un truc de fou le tirage. Hein. Vous avez vu, on a la mort, on a la cassure, on a la perte, et là encore, ça nous parle d'oublier, ça nous dit pourquoi gardes-tu en mémoire ce qui est fini. Donc en gros, accepter et regarder l'indication temporelle, c'est avec le temps. En gros, c'est accepter que les choses soient terminées tournez définitivement la page et avancez de nouveau. Pensez à votre présent, pensez à votre avenir. Et le présent et l'avenir ne se font pas avec les brides du passé. Non, hein, comme je dis souvent, le passé, c'est un poids que l'on porte. Le passé, on doit vivre avec, mais on ne doit pas vivre dedans. Hein, c'est très important. Le passé, c'est comme une cicatrice sur votre corps. On vit avec, mais on ne va pas s'amuser à tout le temps réouvrir cette cicatrice pour la gratter, pour la refaire saigner, non non, on vit avec, on ne vit pas dedans. Et bien là, c'est le même principe. Donc là, le conseil pour les couples, eh bien, ça nous parlerait peut-être que cette femme, ça peut être un ex, un ex ou une ex. Hein, on, va, euh, on va faire abstraction du sexe. Ça peut nous parler d'un ex ou d'une ex. Eh bien, peut-être qu'il est temps, qu'il est grand temps, euh, cette semaine, de marquer la fin définitive et d'oublier de façon irrévocable votre passé, d'oublier cette personne-là. Ou peut-être que, comme je viens de vous le dire, ça peut nous parler d'une relation triangulaire. Pourquoi pas hein? Donc peut-être que il va euh, falloir. Ce n'est pas viable, ce n'est pas possible. Hein? Euh... Comme, comme, comme un proverbe le dit, ne quitte pas la personne que tu aimes pour la personne qui te plaît, car la personne qui te plaît te quittera un jour pour la personne qu'elle aime. Voilà. Je vous laisse méditer sur euh, cette, cette réflexion qui est très très juste de bon sens. Ne quittez jamais la personne que vous aimez pour la personne qui vous plaît et eh bien peut-être que cette femme là c'est enfin cette femme ce personnage là peut-être que c'est le personnage qui vous plaît justement hein. euh, peut-être que ce personnage représente euh, le côté charnel le côté passionné le côté nouveau hein, le côté euh, voilà par rapport à votre quotidien que vous vivez avec votre partenaire euh, cette espèce de routine dans laquelle vous êtes tombé hein. euh, on peut tous plus ou moins être sujet à une certaine tentation hein. quand par exemple moi je sais pas vous arrivez à 20 ans euh, de, de, de mariage 20 ans de relation avec la même personne et puis que vous êtes un peu prisonnier d'une routine et d'un quotidien, quand vous avez quelqu'un qui se présente de nouveau, voilà, il peut y avoir l'attrait du nouveau qui peut vous faire faire des bêtises. Eh bien, non, là, le conseil très clair, c'est peut-être en plus que cette personne, c'est la menace qui plane, hein, cette fameuse menace. Donc, attention pour ceux qui, euh, qui ont des relations ambiguës, pour, de, pour les personnes qui ont des choses à cacher, attention, attention, parce que euh, l'œil est sur vous, hein, vous êtes observé, il y a la vie, le karma qui vous observe. Ou peut-être que ça peut être une personne qui vous observe, qui connaît peut-être la vérité. Et la menace qui peut éclater cette semaine, ce serait peut-être la personne qui va révéler votre petit secret. Hein, et le petit rendez-vous, le petit 5 à 7 que vous faites. Hein. Donc attention, attention, attention. Et là, très clairement, on vous dit d'oublier, d'oublier. Voilà, c'est le, le, le meilleur conseil, oublier les choses. Et laissez-vous le temps, d'accord hein, Parce que je vous le remontre, euh, le, conseil, le, le conseil temporel, c'est avec le temps. Donc on sait très bien qu'on n'oublie pas quelqu'un du jour au lendemain. Il faut du temps pour oublier quelqu'un. Allez, pour les célibataires, ça nous parle de signature. Donc la signature, eh bien, ça peut nous parler de choses officielles qui vont se faire. Alors ça peut être, euh, pourquoi pas, pourquoi pas cette semaine, vous allez peut-être, peut-être que vous, êtes, vous vivez une petite idylle ou, euh, voilà, quelque chose qui est pas forcément très sérieux. Mais euh, voilà, cette semaine, eh bien, ça pourrait marquer une étape euh, dans l'officialisation de votre petite relation. Hein. Peut-être que, euh, voilà, vous ça fait par exemple 15 jours, 3 semaines, et vous voyez que bah, c'est plus que de l'envie, du... Désir, etc., et qu'il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Donc, vous allez un petit peu officialiser cette chose-là. Oui, moi, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. C'est que pour moi, euh, j'englobe les célibataires qui sont en relation depuis moins de deux mois. Parce que moins de deux mois, c'est pas une relation ultra sérieuse. Ça peut casser à tout moment. Euh, voilà. Tant que c'est pas vraiment officiel, tant que ce n'est pas sérieux, tant qu'il n'y a pas des choses qui ont été mises en place qui font que vraiment vous pouvez vous dire être en couple. Pour moi, voilà, on est sur des idylles, on est sur des petites relations. Euh, voilà. Donc pour moi les célibataires c'est vraiment les personnes seules et les personnes qui sont en couple de moins de deux mois. Voilà. Pourquoi moins de deux mois Je ne sais pas. Je me dis que deux mois c'est un chiffre rond. En deux mois quand même on peut vivre pas mal de choses et on peut se rendre compte si effectivement on éprouve quelques sentiments à l'égard de la personne et réciproquement aussi. Et puis voir si on a envie de continuer l'aventure. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc peut-être que cette semaine, euh, ça peut nous marquer le, une première étape sur l'officialisation d'une relation, ou peut-être vous, en tant que célibataire, vraiment, si vous n'avez pas de relation, hein, vous êtes vraiment seul, peut-être que vous allez officialiser quelque chose par rapport à vous-même sur le fait que soit euh, vous prenez la décision de ne plus chercher euh, aveuglément euh, quelqu'un à tout prix pour combler votre vie, hein, ou combler votre solitude. Euh, voilà, ça peut être le, le, le fait de déclarer des choses de façon officielle, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, je déclare que je suis bien célibataire après avoir recherché activement l'amour pendant deux ans, euh, essuyé les échecs. Et eh bien, je décide qu'aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien seul. Ça viendra quand ça viendra. Vous voyez, mais pas qu'à... Ça pourrait être une déclaration qui ne serait pas que euh, pour vous, mais ça pourrait être une déclaration que vous pourriez faire, par exemple, auprès d'amis. Enfin, vous voyez, quelque chose vraiment d'officiel que vous pourriez déclarer. Et pour le petit conseil, c'est c'est par toi. Ne procrastine pas sur une situation vouée à se terminer sans plus tarder. Pour l'indication temporelle, c'est sans plus tarder. Donc on vous demande d'agir immédiatement. C'est hein, par toi, c'est fais-le tout de suite. Ne procrastine pas, ça veut dire ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ah, donc on est vraiment sur cet aspect de, voilà, si c'est officiel, s'il y a quelque chose de sérieux, euh, faites-le tout de suite. N'attendez pas, ne faites pas reculer les choses, faites-le immédiatement. Et si on nous parle de quelqu'un qui serait seul, donc attention, se séparer, se séparer, c'est pas forcément dans le sens de se séparer avec quelqu'un. Comme je viens de vous le dire, si par exemple vous êtes en relation avec quelqu'un depuis euh, voilà, quelques semaines, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous sépariez de cette personne. Non, ça veut peut-être dire qu'il faut que vous commenciez à vous séparer de certaines choses de votre vie, certains aspects, sur le fait que, eh bien... Euh, voilà, l'avenir semblerait vous montrer que vous n'êtes plus tout à fait célibataire et qu'il va falloir renoncer à certaines choses que vous faisiez si vous voulez construire hein, euh, votre relation. Et on est à nouveau sur le fait de se séparer hein, avec la mort, on est à nouveau sur le fait d'enlever des choses de votre vie. Et si, euh, en revanche, vous êtes vraiment seul, sans personne, eh bien, se séparer, ça peut aussi être se séparer des idéologies que vous avez. Peut-être que vous êtes plein de clichés, peut-être que la personne que vous recherchez est une chimère, hein, qui n'existe pas. On a tous des idéologies ou des idéaux à se dire, tiens, moi, je voudrais qu'elle soit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et vous, à force, vous créez une liste qui devient, mais irréaliste et irréaliste. Réalisable à tel point que la personne que vous voudriez avoir n'existe pas. Parce que l'amour est fait aussi de concessions. Il faut accepter l'autre avec ses petits défauts. C'est le principe même de l'amour. La personne parfaite n'existe pas. Et si vous recherchez cette personne parfaite, eh ben c'est sûr que vous ne la trouverez jamais. Donc peut-être qu'il est grand temps de vous séparer de ça, de vous séparer des chimères avec lesquelles vous vivez pour revenir dans euh, une vie qui soit beaucoup plus réaliste et réalisable. Allez, maintenant, on finit avec le petit aspect euh, de la spiritualité avec Pazuzu. Pazuzu qui est un démon, et pas n'importe quel démon, c'est un démon gardien, c'est le démon du royaume de l'air. Euh, il est associé au point cardinal de l'Est également, et euh, c'est celui qui protège le monde des démons avec le monde des humains. D'ailleurs, petit aparté, euh, c'est ce démon qui a été utilisé dans le film L'Exorciste pour posséder la petite Regan. Euh, J'ai toujours eu un problème qu'ils aient choisi ce démon parce que, comme je viens de vous le dire, Pazuzu, c'est un démon gardien qui protège le royaume des démons de l'attaque, enfin, le royaume des hommes des attaques du royaume des démons. Donc, vous voyez, c'est pas logique que ce soit ce démon-là, hein, puisque c'est un démon qui garde au contraire. Donc, c'est pas logique que ce soit lui qui vienne posséder. Mais bon, bref. Fin de la parenthèse. Mais cette parenthèse sert quand même à expliquer cette carte, c'est-à-dire euh, votre spiritualité. Eh bien, votre spiritualité, elle doit être entre, entre deux mondes. Elle doit être, encore une fois, on est sur l'harmonie, sur l'équilibre, sur la prise de responsabilité, parce que Pazuzu, quand même, il a de très grandes responsabilités. Vous vous rendez compte qu'il doit protéger deux royaumes. Il doit protéger le royaume des hommes pour que les démons ne rentrent pas dans le royaume des hommes. Mais il doit protéger aussi le royaume infernal, euh, éventuellement, d'une intrusion d'hommes, hein, d'humains qui essayent. De trouver des réponses, etc. Donc il a la responsabilité de protéger deux royaumes en même temps. Et il a euh, de grandes tâches aussi, et il est comme ça en équilibre, hein, c'est une sorte d'intermédiaire entre deux mondes. Et je viens de vous le dire, moi qui vous parlais d'harmonie et d'équilibre, votre spiritualité doit être basée et fondée sur l'équilibre. Il faut que vous acceptiez impérativement autant votre côté lumineux que votre côté sombre. Vous devez accepter que la vie est faite de dualité, hein, un homme, une femme, le bien, le mal, la joie euh, et la... Le la tristesse, euh, la blessure, la guérison, hein, voilà, la vie c'est ça, la vie c'est une dualité. Vous ne pouvez décemment pas vivre dans un monde de licorne de paillettes, d'arc-en-ciel et compagnie. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas réalisable. Encore une fois. Donc là, on est vraiment sur cet aspect. Cette semaine, c'est dingue. Hein. On est vraiment sur cet aspect de d'ombre de lumière, euh, sur l'aspect de se séparer, de mourir pour pouvoir renaître derrière. Vous voyez, on est vraiment sur cet aspect-là. Même la spiritualité est touché aussi par, euh, par cet aspect. Donc vraiment là mes amis, vous n'avez aucune raison tous les jeux. Là, vous avez tous les jeux qui vous parlent que cette semaine va être une dualité. Vous allez perdre mais vous allez gagner. Vous allez euh, mourir mais vous allez renaître. Vous allez euh, effacer certaines choses mais vous allez en créer d'autres. On est vraiment cette semaine sur de la dualité complète. Donc tout ce que vous ferez cette semaine, eh bien aura forcément une conséquence. Si vous faites quelque chose de bien, il y aura une autre conséquence derrière qui sera moins bien. Si vous faites au contraire, quelque chose de pas bien entre guillemets, il y aura une conséquence de bien. Hein, C'est un peu l'effet papillon. S'il y a un vieillard qui meurt quelque part, il y aura un enfant qui va naître ailleurs. Vous voyez, est, on est vraiment sur ce principe-là pour cette semaine. Allez, maintenant, je propose de passer à, aux réponses fermées. À tout de suite. Allez, nous revoilà pour les réponses fermées à, à vos questions. Donc, on va utiliser, comme d'habitude, le petit oracle des merveilles. Je vous rappelle le principe, je vais abattre 13 cartes. Si dans les 13 premières cartes, nous avons l'échec et mat qui sort, ça sera un non. Si nous avons euh, le roi de cœur, alors ce sera un oui. Et si aucune des deux cartes ne sortira, eh bien, ce sera un peut-être ou alors ce ne sera pas pour cette semaine. Vous êtes prêts, je vous laisse poser votre question dans votre tête à haute voix. C'est comme d'habitude, c'est comme vous voulez. On a les champignons qui sont sortis. Les champignons nous parlent de choses qui peuvent être toxiques, de choses qui peuvent être hallucinogènes. Hein. Euh, se, méfier, euh, se méfier des choses qui paraissent trop bonnes, trop, trop appétissantes, trop... Euh, voilà, parce qu'elles peuvent cacher quelque chose qui, euh, qui peut être bien plus dangereux. Allez, vous avez votre question en tête. Attention. Je rebrasse un petit coup, du coup. Et on y va. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a ni le roi de cœur, ni l'échec et mat, mat, donc ça veut dire que c'est peut-être, euh, c'est ni favorable, ni négatif, c'est peut-être pas pour cette semaine, hein, euh, voilà. ou peut-être que vous avez déjà plus ou moins la réponse en vous. Allez, seconde question avec les pièces de fortune. Vous ne trichez pas, vous posez une seconde question qui est différente de la première, sinon ça n'a aucun intérêt de reposer la question. Vous allez juste. Euh, bah, vous allez euh, voilà. Euh, comment je dire Vous allez corrompre votre réponse. Il n'y a, enfin, a pas d'intérêt, Tout simplement. Allez, vous êtes prêts pour votre seconde question. Pareil, soit dans votre tête, soit à haute voix, c'est comme vous voulez. Et on y va. On a un oui. On a un non et on a un non. Donc c'est plutôt défavorable, c'est plutôt non. C'est pas un non ferme et définitif. Hein, je vous le redis souvent, on a deux noms pour un oui, donc c'est pas un non ferme et définitif. C'est plutôt non, c'est plutôt défavorable. Voilà mes chers amis. Allez, surtout ne quittez pas. On se retrouve tout de suite maintenant pour l'astrochance de la semaine. Allez, dernière partie pour l'astrochance de la semaine. Vous connaissez tous le principe par cœur, mais quand même pour les nouveaux, je vais le réexpliquer. Je vais utiliser l'art de la Kibomancy, donc qui est euh, le principe d'utiliser la divination à travers les dés. Pour cela, je vais utiliser deux sets de dés. Le premier euh, sont des dés noirs à 6 faces, comme vous pouvez le voir, avec plus 1, plus 2, plus 5, etc. jusqu'à 6 points, pour un total de 24 points. Oui, parce que 6 x 4, 24. Et je vais utiliser des, des bonus euh, avec des faces moins, des faces plus, des faces neutres qui vont venir soustraire ou additionner des points supplémentaires portant. À 28 points au maximum, ou au contraire à 0, puisque ben, le minimum pourrait faire 4 as moins 4 euh, soustractions, hein, ça fera et eh 0. Ben, <laughs> Mais bon, c'est jamais encore arrivé. Et puis, comme d'habitude, avec les signes astrologiques hein, pour que vous puissiez euh, avoir votre chance par votre signe. Allez, on y va tout de suite avec les béliers. Les béliers, nous avons 6 et 6, 12, Hop, 5, ça nous fait 17 et 2, 19, moins 1, ça nous fait 18, mais on a plus 3 points, ça porte à 21. Et eh bien, les amis, c'est pas mal du tout, les béliers commencent très fort cette semaine, hein, puisque 21 sur 24 points, oui, je ne prends pas en compte les 4 points supplémentaires. 21 points sur 24, c'est quasiment le maximum. Hein. Félicitations les béliers! On verra avec les autres signes, mais en attendant, la chance est vraiment de votre côté pour cette semaine. J'ai envie de vous dire que tout est permis cette semaine. Vous pouvez vous accorder toutes les folies, toutes les envies, tout, voilà, ce, tout ce que vous voulez faire, si vous avez des projets, des idées, des n'importe quoi. Eh bien, c'est le moment de le faire. Les astres sont en accord avec vous. Profitez-en, les amis béliers, c'est votre semaine. Les taureaux. Les taureaux, on a 6 et 4, 10 et 3, 13 et un 14. On a un moins, on a un plus, ça porte à 14 pile poil. Les taureaux, c'est légèrement au-dessus de la moyenne qui est à 12. Hein. Donc ça veut dire que votre chance est certes relative, mais elle est quand même présente. Hein. Ça fait deux points de différence avec la moyenne. Deux points, ça paraît être rien, mais ça peut faire toute la différence si vous êtes dans une situation, un entretien d'embauche ou une opportunité particulière. De c'est ce qui peut permettre d'accéder, et eh bien, euh, à l'aspect de réussite ou la concrétisation de quelque chose. Donc les Taureaux, j'ai envie de vous dire, ne foncez pas tête baissée. Regardez quand même où vous foncez. Mais dans tous les cas, euh, normalement, euh, il devrait y avoir un coussin pour amortir votre, euh, comment on pourrait dire, votre, euh, votre foncitude. <laughs> Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on a 5 et 4, 9 et 3, 12 et 3, 15 et un petit plus qui porte à 16. Les Gémeaux, c'est une jolie chance aussi. Hein 16 sur 12, enfin 16 sur 24, c'est 4 points de plus que la moyenne. Donc les Gémeaux, la chance est aussi avec vous. Profitez-en cette semaine si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses. C'est le moment aussi. Les sont également avec vous pour vous accompagner cette semaine. Les cancers. Les cancers, on a 6 et 5, 11, 11, 11. Ça aurait été plus simple de faire comme ça, mais bon. Euh, avec 3, ça nous fait 14. Et 3, ça nous fait 17. 17, ah, c'est dommage, on a 3 moins. Du coup, ça porte à 16, 15, 14. Et un plus, on a un 15. C'est pas mal, les cancers. C'est pas mal aussi. Non, qu'est-ce que je viens de vous dire 17 moins 3, ça nous fait. Bah, si, 14. 14 et un plus, 15. Si, si. Pardon, autant pour moi. Donc. 15 sur 24, ça reste au-dessus de la moyenne malgré tout. 15 sur 24, c'est pas vilain. Donc votre chance, vous êtes entre les taureaux et les gémeaux. Hein. On avait 14, 16, là on est à 15. Donc là, votre chance est aussi relative mais elle est quand même plutôt positive et les choses sont également plutôt favorables. Donc profitez de cette euh, conjoncture pour eh bien, réaliser des objectifs, concrétiser euh, des idées, des envies, atteindre vos buts. Hein. Euh, votre... Cela se Bon, c'est la semaine j'ai l'impression que toute cette semaine pour tout le monde j'ai encore le temps de me tromper mais j'ai l'impression que la chance va être plutôt euh, plutôt présente pour tout le monde allez on continue avec les lions les lions on a 5 et 5 10 et 3 13 et 1 14 et eh bien regardez les lions et on a ni de plus ni de moins un hein, vous qui avez Souvent, quand même, une chance qui est assez relative, surtout sur les dernières semaines qui étaient euh, presque négatives. Là, on a une jolie chance, 14 sur 24, c'est deux points au-dessus de la moyenne. Donc, même conseil que pour les taureaux, les lions, hein, idem, ne partez pas chasser dans euh, des, des, des prairies que euh, vous ne maîtrisez pas trop. Mais euh, en même temps, vous pouvez y aller parce qu'il n'y aura pas de gros ennemis pour, euh, voilà, pour se mettre en travers de votre route. Donc tentez votre chance les lions, vous êtes au-dessus de la moyenne, profitez-en. Hein. Euh, pareil, vous êtes sur deux points de différence, mais c'est deux points qui peuvent justement faire toute la différence. Les vierges. Les vierges, on a 5 et 6, 11, 11 et 3, 14 et 2, 16. Ah oh, c'est dommage, c'est dommage, on a 3 moins, ça porte à 13 pour les vierges. C'est quand même au-dessus de la moyenne, hein. on ne va pas non plus se plaindre, donc la chance est aussi présente à vos côtés pour cette semaine, même si elle est... Je ne vais pas dire faible, parce qu'elle n'est pas faible non plus, 13, hein, vous êtes au-dessus de la moyenne. Mais voilà, ce sera plutôt ponctué. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Vous avez quand même un point de plus que la moyenne. Donc pareil, ça peut faire la différence si vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre. Donc profitez aussi de cette chance et n'hésitez pas à la booster. Hein. Vous pouvez un petit peu la provoquer et tenter votre chance aussi. Donc n'hésitez pas, hein, quand la chance est présente, on peut prendre le risque de s'en rajouter et de mettre toutes les chances de nos côtés pour en avoir un plus haut niveau. Les balances les balances, on a 6 et 5, 11 11 et 4, ça nous fait 15 et 2, ça nous fait 17 on a 2 moins, ça nous porte à 15, mais on a un plus, ça nous porte à 16, et eh bien les balances voyez, voyez, qu qu'est-ce qu que je vous disais vous êtes en train de le confirmer, que la chance est quand même présente pour la plupart des signes donc pareil pour les balances, vous avez 16 sur 24, c'est une jolie chance, donc profitez-en concrétisez vos envies, vos objectifs, réalisez vos projets, réaliser ce que vous avez en tête. Euh, si vous avez des envies particulières, c'est le moment. Vraiment, c'est cette semaine qu'il va falloir le faire. Les scorpions. Les scorpions, on a 5 et 3, 8 et 1, 9 et 2, 10, 5, 4, 9, 11. 11 moins 1, ça nous fait 10 seulement. Bon, les scorpions, vous venez de me faire mentir. Les scorpions, c'est une toute petite chance. Vous êtes en dessous de la moyenne. Donc les scorpions, c'est plutôt tranquille pour cette semaine. On évite de trop s'aventurer dans des trucs un peu euh, farfelus. Hein. Restez plutôt sur vos acquis. Profitez du temps qui s'écoule paisiblement. Profitez de votre maison, de votre foyer, de tout ce que vous avez déjà. Évitez de vous lancer dans de trop grandes aventures. Est-ce que bah, déjà le scorpion, euh, par votre taille, et eh bien, vous ne ferez pas le poids face à quasiment euh, tout autre animal ou ennemi qui se présentera. Hein vous pouvez vous faire écraser par n'importe qui. Donc, restez sur vos terres connues et évitez de vous lancer dans des choses complètement inconnues ou farfelues. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on a 6 et 6, 12, 12 et 2, 14, 14 et 3, 17, 17, on a 2 moins, ça nous fait 15 et un plus, ça nous fait 16. Les Sagittaires, c'est une jolie chance aussi, 4 points au-dessus de la moyenne, 16 sur 24, c'est joli. Donc, pareil, même conseil que pour les autres signes qui ont eu 16. Tentez votre chance, faites ce que vous avez à faire pour cette semaine, c'est le moment de vous accomplir, c'est le moment de vous réaliser, donc faites-le, n'attendez pas, ne procrastinez pas. Les Capricornes. Les capricornes 6 et 6, 12, 12 et 3, 15 et 2, 17. On a 2 moins, ça nous fait 15. Ah, ils sont pénibles, c'est moins. Hein. Les capricornes 15, c'est quand même joli aussi, c'est au-dessus de la moyenne. Donc les capricornes, profitez-en, c'est le moment pareil de vous réaliser, de réaliser vos envies, vos objectifs, d'atteindre vos buts, d'y aller, de vous projeter. Euh de commencer à réaliser vos rêves, pourquoi pas concrétisez-vous, n'attendez hein, pas, euh, voilà, pas que votre chance passe, profitez de l'instant présent et faites-le ici et maintenant. Les versos. Les versos, on a 3 et 3, 6 et 4, 10 et 2, 12, 12, 12, 12 et euh, on a 2 moins, ça porte à 10 comme les scorpions. Bon, bah, les versos et les scorpions, vous allez faire équipe cette semaine hein, et puis bah, vous restez tranquille aussi, vous évitez euh, hein, de, de, de faire des choses qui pourraient vous dépasser, euh, évitez de déverser hein, le contenu de votre jarre euh, sur n'importe qui, sur n'importe quoi, à n'importe quel moment parce que tant va là. Comment Comment c'est le proverbe euh, Tant va à la cruche qu'à la fin elle se casse. Je ne me rappelle jamais comment on le prononce. <laughs> Mais pour le coup, c'est un proverbe qui vous collera bien à la peau se dire n'usez pas de trop de choses, ne tirez pas trop sur la ficelle parce que vous pourriez vous la prendre dans la figure. Donc on y va tranquille pour cette semaine et on profite plutôt de ce que l'on a déjà. Et enfin, les poissons les poissons qui ont été les deux vainqueurs, enfin les vainqueurs des deux dernières semaines, est-ce qu'ils vont être les vainqueurs d'une troisième semaine Suspense. <laughs> les poissons, non bon, ils ne seront pas les vainqueurs, je peux vous le dire tout de suite. 5 et 4, 9 et 1, 10 et 2, 12. 12, on a un moins, ça porte à 11. Dieu merci, on a 3 plus pour nous sauver les miches qui portent du coup à 15 points pour les poissons. Bon les poissons quand même la chance reste présente avec vous. Mais comme je vous l'avais expliqué, la, la chance c'est un parfum hein. quand vous passez quelque part vous allez laisser un petit peu de votre odeur mais euh, plus euh, voilà plus les, les, les maîtres vont être importants et moins l'odeur va être présente. Eh bien les poissons, c'est le même principe avec la chance. Dire que vous aviez un très gros taux de chance il y a deux semaines de ça. La semaine dernière, c'était un petit peu moins. Cette semaine, c'est encore un petit peu moins, mais quand même, elle est encore présente. Donc profitez de, euh, voilà, profitez de son énergie, profitez qu'elle soit encore là euh, pour surfer sur ces énergies et atteindre eh bien de nouvelles destinations. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Les énergies du jour, pas du tout, les énergies de la semaine, mais bon, vous m'aurez compris. Ça c'est une déformation à force de toujours dire les énergies du jour. Quand vous faites une énergie, enfin une, un tirage hebdomadaire, et eh ben boum, vous tombez dedans. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous très très fort. Je souhaite de passer une très belle et une très bonne semaine. On a quand même une chance qui est relativement présente, donc profitez-en. N'oubliez pas le conseil de la semaine, c'est-à-dire euh, accepter de perdre pour créer de nouveau. N'oubliez pas que cette semaine on va avoir des énergies de dualité. N'oubliez pas de fêter Imbolc. Je vous ferai une petite vidéo dans la semaine pour vous dire un petit peu comment vous y préparez et qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous, on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Gros bisous à tous!